Idem pour Pink. Là, normalement, ça va être calme. Putain, mais à chaque fois que je dis ça, ça part en couille, bro. C'est horrible. J'ai rendez-vous au garage, donc plutôt pour repeindre mon véhicule, vu que tout le monde, apparemment, dès que c'est Akuma Noir, c'est nous. Et ben, on va repeindre tranquillement. On va repeindre, pardon, tranquillement notre moto. Ok, j'ai rendez-vous à 22h. Normalement, it's ok. Ça devrait le faire. Et on va aller se changer nos fringues aussi, ça peut être cool. Ouais, pour info, je suis au Belize. Je vais changer la couleur de la moto. D'accord. Ok. Pour radio, je vais couvrir l'événement dans le nord, là. La course. C'est à quelle heure? C'est actuellement. Je crois, ou... Ok, envoyez un point s'il vous plaît dès que vous êtes dessus, j'arrive. Ça marche. C'est l'aéroport de Sandy Shore. Ouais, super. Envoyez-moi un point. Ok, il y a l'événement course. Qu'on aura les Russes là-bas sûrement. Et plus si affinité. Ok. Très intéressant ça. Très intéressant. Il y a une course organisée. Ouais, ça va moi. Ouais. Tu serais disponible radio s'il te plaît? J'allais venir arrêter de m'appeler à chaque fois, j'arrive. Ouais, mais faut que tu fasses un effort. non, mais déjà, vous êtes pas sur la bonne attends, radio. Attends, je passe sur un putain de pompe. C'est un peu compliqué radio là. Radio ici White, je suis actuellement à la course. Présence de plusieurs personnalités très très connues au pays. Ouais. Dis-moi que tu vas gagner. Mais oui, que j'ai gagné, évidemment. Oui. Okay. Pose pas la question. Je pense que c'est une noire avec une Karine grise avec 3 voire 4 individus dedans. Je pensais que c'était eux, mais bon, apparemment. Mais si je gagne pas celle-là, je gagnerai peut-être la prochaine. Ouais, il y aura tout à l'heure. Ça, Parkinson. Ça va et toi, Johnson? Ouais, toujours pas changé de coupe de cheveux. Non, bah j'attends que ça repousse. Toujours une coupe de mort, ok. Ouais, bah ouais, faut attendre, hein. Ça va, Boris? Ouais, toi, Parkinson, comment ça se passe? Ça va, ça putain, va. Vous allez bien, Boris? Ah, ça va, Ronald Reagan, comment ça se passe? Ouais, ça se passe très bien, c'est McGregan. Vous allez réussir à retenir ou quoi, Boris? Je suis pas sûr, Flanagan. Ok, excusez-moi, Boris. Y'a pas de problème. S'il vous plaît, tous les participants autour d'Ashley, s'il vous plaît. Ouais. Ah, c'est Riolet qui organise cette connerie. Ouais, putain, ça c'est un bon pont. Toutes les personnes, s'il vous plaît. Ça c'est du calibre 12 minimum, hein. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Ça te déchire ça un trou de balle, hein. Trou de balle, je te le dis, hein. Ah, ça. Allez. Oh, Johnson. Tout individu en jaune, habillé tout en jaune avec un bandana jaune, vous appelez le BTS. Non. On niquait mon casier, quoi. Je suis innocent. Ouais. Il est rentré chez eux. Vous la fermez ou vous partez? C'est pas moi, c'est lui qui a dit. Bonjour, content. Bon, du coup, je vous remercie d'être tous venus et d'avoir patienté autant de temps. Je vais commencer par appeler donc John Clark. Est-ce qu'il est là? Salope. Super, hein. Il y a un bâtard. Putain, il est passé où, 06? Je vais le frapper. Bon, ok. Boris, du coup. Ok. Alphonse. Yes. Ouais. Bjorn, est-ce qu'il est là? Ça, c'est pas le mec qui a dit okay, ça. Ça fait ah, c'était toi, Bjorn. Ah, comme ça, tu chiches des bites. Du coup, je vais. On va sortir. Je vais vous demander de venir avec moi. On va choisir vos voitures. Et on va commencer à lancer la première course. Ouais, c'est génial. Moi, je veux la rose pastel. Bah, il y a deux débiles là, à ma gauche, vous arrêtez. On joue à trois petits chats. Tu connais pas? Rien à foutre. Vous allez bien, Mario et Luigi? Oui, on est, on est des professionnels de la course. Vous connaissez Mario Kart? Ouais, je connais bien, ouais. Vous lancez voilà. Des bananes, non? Mais c'est pas un kart, ça. Hein. Ça, je oui, non, connais, c'est pas un kart. Hein. C'est une auto-moto. Un truc comme ça. Bonne chance alors si vous participez. Bah oui, mais on va gagner, vous savez, monsieur. Ouais, je sais pas, mais je vais voir ça en tout cas. Je serai en première loge pour vous voir gagner. Et faites un pari. Si vous devez parier d'argent, pariez sur moi. Ouais. Nous, on revient, on va placer des herches. A tout à l'heure. Vous participez pas, monsieur? Non, j'ai pas très envie là. Ah d'accord. Et vous participez, monsieur? Oh non, moi je regarde, vous avez pour le moment. D'accord, mais vous êtes de quelle origine, monsieur? Vous avez une voix. Je suis allemand. Ah, très bien. Voilà, je suis là depuis pas longtemps et puis je viens me faire des connaissances à droite à gauche, je parle un petit peu à tout le monde ici. Eh ben, vous avez bien raison. Ah, monsieur? Oui, bonjour, madame, bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Vous avez ça va. Pris vos rendez-vous pour le au Benny Custom? Attendez, venez, s'il vous plaît. Venez, excusez-moi. Ah, y a pas de oui, soucis. Vous avez pris le rendez-vous au Benny Custom? Non, c'est bien vous, hein? Ouais, je suis pas folle. C'est bien. Ok, parfait. Vous serez toujours disponible après? Oui. Très bien. Bon, bah écoutez, dès que cet événement de mort il se termine, je vous appelle. Ouais, je suis dans le même mood. Très bien. Bonne chance à vous alors. Hein. Ouais, bonne chance à vous. Ah, je voulais aussi vous parler de quelque chose. Un de vos employés a eu un comportement assez bizarre là. Il a fait un appel à un de mes employés, enfin au Bénis. Et on est arrivé voilà au lieu. Vous pouvez me dire c'est qui déjà pour. Ouais, je vais vous dire, c'est monsieur. Dave Duval. Alors, okay. Monsieur Dave Duval s'amuse à faire croire qu'il va se suicider.
Voilà, ouais. Mais il a juste un problème mental alors, non? Je sais pas, mais bah, il s'est amusé... Laissez-le sauter, hein, ça serait pas pour personne. Hein. Ah, non, mais il s'est amusé à faire croire qu'il allait se suicider devant mon employé en panique, qui a appelé le LSMS et les Speedy. Et puis après, il tombe et dit « Ah non, c'était une blague. Super. Oh, » Voilà, il y en a qui sont vraiment touchés. Enfin, je trouve que c'est pas quelque chose à rigoler dessus. Ouais, et c'est un peu une perte de temps, quoi. Mais vous êtes sûr que c'est un de mes employés, là? Parce que... Ouais, ouais, parce que au niveau de la facture. Ça, je pourrais demander à mon employé qui l'a vu en question, mais... Ouais, mais vous savez, dans cette ville, dans cette ville, le service taxi, apparemment, c'est des gros méchants. Donc, faites attention aussi à ce qu'on vous dit. Bah, très bien, bah, c'est noté, en tout cas. Monsieur, comment vous m'avez Dave Duval. Dave Duval. Dave Duval. Dave. Dave Duval. Dave Duval. Pourquoi il a fait ça? C'est quoi son but? Mais je sais pas, c'est pour ça. Même mon employé, il a pas compris. Il était en mode, mais pourquoi vous faites ça, monsieur? Non, mais c'était une blague. Bon, ok. Bon, bah, c'est bizarre, effectivement. Bon, bah, sachez que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. Et je lui en parlerai. Ok. Passez une bonne soirée, bonne chance. Merci à vous. Et à tout à l'heure, alors. Très bien, à tout à l'heure. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ouais, bonsoir. Non, mais ça serait pas la police qu'on en a, par hasard? Affirme. Eh ouais, putain. Même en civil, vous traînez toujours entre vous? Bah, pas forcément. Ouais, quoi. De toute façon, j'ai pas d'amis, donc bon. Ah bon? Ça n'aide pas. Pourquoi vous avez pas d'amis? C'est triste, ça. Je sais pas, c'est triste, hein, mais je sais pas. Ah putain, j'ai envie de pleurer. Ouais, même moi. Allez, passez une bonne journée, monsieur. De même, au revoir. Non. Notre niveau d'intimité ne te permet pas de le voir encore. Oui, je pense. Bon, je vous souhaite bon courage, en tout cas, monsieur le service. Merci. Bonjour. Ah, il est russe. Je vous donne. De 19 au revoir, à 69, mon ami homosexuel. Au revoir, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va et vous? On a aucun suspect avec nous. Ça se passe bien, vous travaillez où déjà? Eh ben, depuis que j'ai quitté votre entreprise, je suis allé à la raffinerie et Ah, mais vous êtes, comment il s'appelle là? Hambébé? Ouais, tout à fait, c'est ça. Vous allez bien, monsieur Hambébé? Ben, ça va et vous? Bah, ça va très bien, putain. Ça vous fait plaisir. Je vous ai pas connu avec vos cheveux là. Eh ben, non, il y en a pas, donc vous n'aurez pas pu me reconnaître. Dites-moi, monsieur Hambébé, entre nous, elle vous a un petit peu insulté en partant là, la demoiselle de l'Est, non? Non, c'est moi qui vous l'ai mis sur une fausse piste. Ah, d'accord. C'était amical alors? Oui, c'était amical, ça va, ça va, ça va. D'accord. Bon, vous allez bien, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu en ville. Ah, ça faisait un petit moment, pour là, on va passer un petit moment de détente. Ah, un moment de détente? Je vois. Et vous avez fait quoi pendant ce moment de détente? Je me suis plutôt pas mal touché la nouille. Oh, ça commence à m'exciter, arrêtez s'il vous plaît, monsieur. Et surtout, et ça reste entre nous, vous connaissez Manuel? Ouais, bah, mais Manuel. Ouais, vous voyez sa mère? Ouais. Vas-y, dites-moi, ça m'intéresse. Bah, nous, mère de trouelle, de tante, je vous laisse réfléchir. Ouais. Vous avez son numéro ou pas? Elle a l'air très joyeuse. Ah, je vous enverrai un mail et des photos. Putain, jurez. Entre nous. Jurez Ken dans tous les sens. Oh là 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 là, Aladdin, là, c'est... Attention, hein. Partout où ça pouvait rentrer, j'y suis. Ah ouais, putain, vous avez tout expérimenté, hein. Ouais, ça passe, ça rentre, on y va, quoi. Même le nez? Ah bah oui, il faut bien essayer. D'accord, ok. Bon, après, il faut vous nettoyer un peu le tube, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire, ouais. Putain, je sens que ça va être de la merde, cette course. Ouais, je sens aussi, je sais pas pourquoi. Tiens, tu veux pas qu'on aille fumer une clope un petit peu plus loin, là? Ah, moi, je vous fume pas, mais je vous suis, si vous voulez. Allez, viens. Ouais. Bon, vas-y, voilà. Tu chuchotes là. Ouais, c'est tout le monde. Ouais, ouais, il voulait quoi? Ouais, elle voulait discuter, machin. Je pense qu'elle voulait surtout savoir si c'était bien moi. Voilà, mais sinon, on a fait du blabla inutile. Je lui ai fait croire que j'étais homosexuel, tout ça. Ouais. Et puis voilà. Ok. Et tu sais qu'elle prépare un coup ou pas? Je pense pas. Je pense qu'elle va essayer de tout faire comme la boxe. Ah, tu crois qu'elle va truquer? Ouais, je pense que oui. Mais ils sont pas là. Ils sont t'as combien de places dans ton van? Ben, je crois qu'il y a quand même une de ces gars ou deux qui participent. En tout. Ouais. 90 kilos. Moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est qu'il n'y a pas de couverture sur toute la piste. Ouais. Ce qui fait qu'au bout, il peut se passer, je sais pas, coup d'effet, des trucs comme ça. C'est toi qui étais au concessionnaire? Ouais, je vois ce que tu veux. Et oui, tu penses qu'il va se passer quelque chose? Ok, t'as acheté les coupes. Depuis que ça fait une heure, je suis là. Je campe depuis une heure ici. Il y a des gars en moto qui traînent là-haut. Et deux pseudonymes aussi. J'ai vu des gars qui traînaient aussi derrière. Ouais. C'est quoi maintenant? Silver. Pour moi, il peut se passer un truc. Après, là, c'est qu'il y a un truc avec les BCSO. Attends, tu veux pas aller en bout de piste au pire? Là que je me rends à cette piste. Moi je participe à la course. Oh putain, et il est où ton véhicule? Bah c'est un des véhicules qui nous prête. Bah vas-y, bombarde alors, non?
Ouais, mais non, mais il y a plusieurs groupes, c'est pour ça. Ok. Est-ce que tu voudras que j'aille au bout ou que j'envoie Jameson, parce que justement, il doit couvrir l'événement et donc les gagnants au pire. Ouais, s'il peut y avoir un gars qui surveille et qui peut prendre des photos, des trucs comme ça, on sait jamais quoi. Okay. Toute la partie sud, elle est au-dessous et on peut surveiller. Très bien. Bon, bah fais attention à toi, je vais mettre Jameson sur le coup. Ouais, super, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oh, what's up? Ouais, super, et vous? Bah écoutez, ça va. Hey! Ouais, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Oh là 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 là, je pense que tu vas être content, mais bon. Je te dirai après. Bah montre au pire. Attends, non, je dois parler à Alphonse avant. Ah, c'est un sacré délire. Sacré Alphonse. C'est sous quelle drogue que vous tournez là pour vous habiller comme ça? Ah ouais, faut me la donner. Ah, non, alors je tourne l'eau minérale. Ah d'accord. Ah non, mais c'est un malade. Bref, Alphonse, viens, faut que je te parle. Ouais, d'ailleurs, j'ai gagné le premier pool. C'est monsieur le patron de paraffinerie taxi. C'est ça, non? Ouais, bah exactement, monsieur, mais on s'est vu plein de fois. Oui, mais vous savez que je fume trop, j'oublie un peu la moitié des choses. Hey, dites-moi, ouais. Vous recrutez pas un petit apprentissage chez vous? Je sais pas, je viens de sortir de la raffinerie, vous voyez, j'ai fini mon apprentissage, je me suis dit, on cherchait d'autres taf, quoi. Hein. C'est pour toi? Ouais, c'est pour moi. Hein. Ok, j'en parlerai à moi et ça peut être intéressant, ouais. Ouais, t'es motivé à bosser un peu? Ah, bien sûr, bah alors là, ton chiffre d'affaires, il va augmenter. Hein. Je te l'assure. Ah ouais. Tu regretteras pas. Ah, mon petit là, regarde, mon petit m'a dit qu'il y a eu une promotion chez toi tellement qu'il bosse bien. Ouais, mais fais juste gaffe parce que si tu veux, nous, le service taxi, on est les grands méchants de la ville apparemment, tu vois, alors que... Ah bon, ouais. Tu sais, moi, je t'ai déjà dit, tant que ça touche pas ma famille, le reste, il peut dire ce qu'il veut. Tu peux demander à ton frère, hein, enfin ton frère ou ton petit, tu vois. Quel, Dave? Ouais. Ton frère. Ouais, Dave. C'est Dave. Ok, bah, c'est normal, bah la mécano là-haut, vous la connaissez bien? Ouais, elle est dans notre territoire, elle est gentille. Elle m'a parlé de Dave en mode bizarre, vous voyez ce que je veux dire? Comment ça? Je sais pas, apparemment il fait genre, il veut se foutre en l'air, mais il le fait pas, je sais pas, elle m'a dit des trucs bizarres, comme quoi je dois le calmer et tout, tu vois. Ah, c'est votre copine? Bah non. Bon bah écoute, de toute façon, moi ton numéro, donc on te recontacte très vite. Ouais, pas de soucis. Allez, vas-y, tu profites à l'event ou pas? Oh, pas du tout, hein. Tu sais, moi je préfère fumer que conduire. Hein. Ouais, je comprends bien. Ouais, fume pas trop, hein. Garde un peu un morceau de cerveau quand même. Hein. Ouais, pas de soucis. Y a mon grand frère pour le cerveau. C'est pas moi le cerveau. Ah bah ça va alors. Allez, passez une bonne journée. Vas-y, à plus. Bonsoir, vous allez bien, monsieur? Ça va. Gagné. C'est vous, Bjorg. Bjorn, reste. Ah, ok. Vous vouliez me parler de quelque chose d'important? Ouais, ça serait mieux en privé. Ouais, moi, il a ton numéro ou pas? Je sais pas, mais j'ai encore son numéro qu'il m'avait donné quand il m'a recruté. Ouais, ok. De toute façon, j'ai pas tardé à quitter cet événement pété. Dans 20-30 minutes, renvoie-moi un message. D'accord, très bien. Moi, je vais terminer la course, là, je vais passer les poules. Bien joué. Bah, tiens-moi au courant alors. D'accord. Je vous enverrai un message. Fais attention que ce soit pas truqué. Ouais, mais je garde un œil là-dessus. Bon, allez, bah bonne chance à toi et tu me tiendras au courant de ton placement. D'accord. Il est mignon, lui. Je tiens au courant. Il est mignon. Il a l'air mignon. Bon, on va suivre un petit peu. Ok, donc c'est la voiture bleue. Très bien. Ok, j'ai la voiture bleue. Ping pour radio. Tous ceux qui sont à la course, faites attention. Les jaunes ont prévu de saboter la course. Donc faites gaffe à vous, terminé. Ok. T'as une idée de comment? Négatif. J'ai juste su qu'il y avait eu des menaces sur la course en elle-même, mais ni comment, ni avec quels moyens, je sais pas. Au moins, tu devrais aller en bout de piste. Hein. Ouais, j'y vais là, je reviens sur place. Toujours ces deux-là qui organisent. Hein. L'Asiade qui va parler à l'organisateur ou je sais pas qui c'est, lui. Ouais, ça, Jameson. Ça va et toi? Ouais, c'est pas là le bout de course. Hein. Ouais, mais je veux parler aux agents qui sont juste là avant. Ok, je vais me mettre au milieu pour surveiller avec les jumelles et voir comment ça finit. Ok, ça marche. À tout à l'heure. La personne qui vous intéresse, elle est en voiture bleue. Ok. Ouais, mais attends, il commence comme par hasard. What? Comment ça se fait qu'il est aussi long, Jalali? Attends, il a pas suivi? Bonjour, vous allez bien, monsieur? Bonjour, ça va et vous? Ouais, je me présente, Magalagan, service taxi directeur. Ouais. Et vous travaillez pour mon frère. D'accord, bah John Broman, du coup. Très bien, enchanté, monsieur. Monsieur. Broman. Brossman. Voilà, merci. Enchanté, Bro. Monsieur Brossman. Broman. C'est qui là? Alors, il se passe quoi là? C'est qui gagne là alors? Alors, je vous avoue que pour l'instant, j'ai plus suivi comment ça allait se passer. J'essaie surtout de faire des photos. Je retournerai voir après un petit peu comment ça se suit, mais je pourrais pas trop vous dire.
Très bien. Bah, vous êtes pro, ça fait plaisir, restez là. Ah bah, je vous remercie. Ouais, mais j'essaie de vraiment de trouver la bonne photo. C'est un peu compliqué depuis tout à l'heure, je suis en train de galérer, mais bon. Il doit faire combien de tours? A priori, c'est 2 tours. Bon bah, je vais voir là-haut. Merci en tout cas, monsieur Brosman. Bah de rien, à bientôt, monsieur. Vous voyez comment, votre nom? Monsieur McGallaghan. McGranaghan. Non, McGallaghan. D'accord, pas de soucis, monsieur McGranaghan. Pas de soucis, monsieur McGranaghan. Très bien, monsieur Brosman. Passez une bonne journée. La voix de ton employé est insupportable. Hein. Beaucoup trop fort. Faudra qu'il... tu lui dises de lui donner 2-3 pastilles à la... Ouais, ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire, au sperme. Ouais, ouais. Et bon. Du coup, j'ai eu des petites infos, là. Ouais, vas-y. Et apparemment, l'agent, là... numéro je sais plus combien là, ouais. Avant que la course commence, ouais. Il y a eu les jaunes, ils sont venus ici et ils ont abattu 3 de ces hommes. Attends quoi, et ça passe... le gang jaune là, je sais pas comment, ouais. Il s'appelle, ouais, les balasses, voilà, ils sont venus ici, ouais. Et ils ont abattu 3 mecs de la BSS. Ils les ont abattus du verbe tuer. Bah ouais, apparemment. Du coup, il est vénère et il a dit, c'est simple, il voit un mec avec un truc jaune dans le coin là, il tire à vue d'œil, hein. Okay. Donc bon bah, évite de mettre du jaune, même ça va être bien hautain, quoi, tu vois. Ouais. Et là j'envoie la liste, le listing de mes journalistes à la BSSO, parce qu'il y en a qui se sont fait passer pour des journalistes pour essayer de détourner des informations. Ah ok, fais attention. Bon, tu sais très bien à qui on pense. Hein. Oui. Ils avaient un accent ou pas? Ah bah. Ouais. Est-ce qu'ils venaient de l'Est ou pas? Est-ce que bizarrement ils ont un problème contre nous? D'accord. Est-ce qu'ils savent beaucoup de choses que nous on sait pas? Est-ce qu'ils sont chiants? J'entends tellement en fait. Est-ce que Russe te dit quelque chose? N'en dis pas plus. Ouais, je te laisse. Vas-y, à plus. Vous serez disponible quand à peu près, d'après vous? Je vais voir si quelqu'un peut me ramener ou pas, parce que j'ai pas de véhicule. Vous avez un casque? D'après vous? Ouais. Vous voulez que je vous ramène? Allez-y, on y va ensemble si vous voulez. Allez. C'est parti. Merci en tout cas, excusez-moi si je me conduisais. Non, mais y a pas la de personne problème. En question est médecin en fait du BCMC, donc intervention. Hein. Non, mais c'est que là, leur événement là, ça tournait en queue de poisson là, c'est toujours la même chose. Ouais, mais c'est surtout que j'ai dû interrompre une embrouille là, c'était pas possible. Ah, une embrouille entre qui? BCMC et LSMS. Hein. Mais c'est quoi ça? C'est l'hôpital du Nord et du Sud? Ouais, du Sud, ouais. C'est en gros l'hôpital du Sud qui a reproché à Ashley et le mec avec qui elle est, je sais plus comment il s'appelle, que non-assistante en personne en danger, genre parce que il y avait des hommes à terre, il y avait 6 hommes à terre, ils étaient que 2 au Sud, ils ont fait appel au LSMS du... Enfin, ils étaient que 2 au Nord, pardon. Ils ont fait appel au LSMS du Sud. Ouais. Il n'y avait qu'un stagiaire, il ne pouvait rien faire. Voilà. D'accord. Ah oui, c'est un sacré. Et ils les ont appelés, même s'ils étaient en événement, ils les ont appelés, ils ne veulent pas parce qu'ils sont à leur événement. Voilà, tout simplement. D'accord. Ah oui, non, mais ça, c'est un sacré problème. Personne n'a battu ou ils se sont fait tirer dessus, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça commence à partir en coup pour une simple course, c'est quand même inquiétant. Si j'ai pris rendez-vous, c'est justement pour changer de... De couleur, oui, ouais, avec la promotion. Couleurs. Bah ouais, parce que je vous cache pas que apparemment tout le monde, partout où je vais, on me dit, ouais, des Akuma noirs, ils font ci, ça et tout. Et j'ai pas envie d'être mêlé à ces gens-là, donc ça commence à faire un peu flipper aussi, leur truc. Ouais. Apparemment, vous aviez un homme en noir, en Akuma... Qui vous espionnait d'après un de vos employés? Oui, bah après je l'ai plus revu, mais bon. Ouais, c'est quand même bizarre, oui, ça, vous voyez ça. Ce que je veux dire. Ouais, ça je dis pas contraire, mais on a eu pas mal d'Akuma en noir qui ont été customisés aussi. Customisés, c'est-à-dire? Donc voilà. Customisés, c'est-à-dire que il y avait des gens qui venaient avec leur Akuma pour la mettre en noir, voilà. Ah, d'accord. Ouais, j'ai leur nom en tête, mais voilà, hein, c'est... Non, mais c'est pour ça que bon, c'est... jamais, c'est, voilà. C'est toujours à la salle de sport, c'est sûr. Donc j'ai pas envie de... C'est compliqué, voilà. Ces gens-là, hein. Après, vous allez dire, vous savez, des motos, la couleur noire, c'est la couleur la plus répandue. Il y en a pas mal, ouais, c'est la plus répandue, oui, c'est sûr. Soit, de toute façon, c'est soit noir, soit blanc, hein, finalement. Hein. C'est ça, hein, c'est ça, les gens, ils osent pas trop la couleur. Oh là là. Je me permets de rentrer dans le garage. Ouais, allez-y. Oh, la partie grise, voilà, parfait. Allez, on est bien arrivé. Super. Eh ben, merci, hein. Alors. Allez-y, elle est ouverte. Je vais vous la nettoyer. Ouais, je vais vous la nettoyer. Bien visualiser la couleur, tout ça, vu qu'on était au nord, tout ça, poussière. Pas ouf. Dites voir, vos employés, mm-hmm. Simple curiosité, ils ont le droit de dire à tout le monde et à n'importe qui ce que font les clients dans votre garage? Non. D'accord, bon bah faites attention à eux. Ouais, je sais, mais il y a beaucoup de choses à leur dire dans tous les cas, ça commence à me saouler. Je me suis déjà renseigné sur monsieur Duval, c'est ça? Ouais,
ou je sais plus. Dave Duval, ouais. Vous saviez que vous parliez à un de ses chefs tout à l'heure? C'est un fameux. Ouais, je sais, je sais. D'accord. Je sais, je sais. Il m'a parlé, je lui ai dit tout ça, je lui ai dit de faire attention à son petit. Voilà. Vous lui avez dit quand? Parce que moi, je lui ai parlé, il a fait comme s'il savait rien. Je lui ai dit tout ça, je lui ai dit écoute, il a fait ça. Enfin, voilà, il est tombé, il non, a dit. Enfin, il criait oui, je vais me suicider, je vais me suicider. Il est tombé, ça, puis il a dit que c'était une blague. Et puis voilà, je lui ai dit quand même de faire attention parce que ce genre de personne. Ouais, mais on va faire attention. Les familles, le cerveau, c'est pas ça qui est ça. Ouais, bon, bon. On va dire que la est-ce vente que c'est vous mal. Avez... Ouais. Ah, c'est les premiers est-ce à le dire, avez... hein, c'est attention, hein, moi je dis juste ce qu'ils me disent. On va dire qu'ils aiment bien l'herbe. Ouais, mais voilà. Oui, c'est sûr, je sais, je sais. Peut-être je sais, il le crie, même moi. Voilà. Même moi, il me le dit, donc vous inquiétez pas. Je précise le blanc, le bleu, le chrome, le gris, le jaune, le marron, le noir, l'or. Bleu nuit. Oui, je regardais ça tout de suite. Là, nous sommes dans la couleur primaire. Ouais, vous avez un bleu un peu plus nuit. Bleu nuit, ça sera celui-là. Ah, c'est pas mal. Oh putain, ouais, c'est pas mal du tout ça. À part si vous voulez regarder tout le bleu, tous les bleus, parce qu'on en a beaucoup. Bah, en fait, si vous voulez, je veux le bleu le plus sombre. Parce que je veux quand même rester dans des tons noirs ou autres. J'ai pas envie que ma moto, ça soit un truc fluo. Ouais, je vois. Vous avez après le bleu électrique. Bon. Ouais. Le bleu foncé. Ouais, celui-là, il est pas mal. Ah oui, celui-là, il est pas mal. Bleu galaxie. Ouais, bleu galaxie aussi, hein. Je veux vraiment bleu me détacher du noir parce que... Bleu nuit. Après, là, c'est clair, quoi. Ouais, là, c'est un peu... Non, bleu foncé, j'aimais bien. Ah, celui-là, j'aime bien aussi. Celui-là? Ouais, c'est quoi? Zirconium. C'est un bleu zirconium. Ouais, mettez bleu foncé, s'il vous plaît. Voilà le bleu foncé. Ouais, j'aime bien. Ça vous dit pas cette couleur? Ça différencie du nord quand même, monsieur. Non, mais c'est sympa, mais c'est que pour le week-end si je prends cette couleur. Ah ouais? D'accord. Pour mes soirées, mes sorties au parc. Ah, d'accord. Ouais, bah je pense que je vais prendre bleu foncé, ça me paraît pas mal. Bleu foncé, ok. C'est hop, on fait chauffer le truc. Ouais. D'accord. Il sera peut-être bientôt plus. Mais bon. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pas du tout ponctuel, il est absent en ce moment, donc... J'ai juste un peu dans ce temps-là attendre pendant que ça chauffe, faire la facture, alors attendez. Alors ça fait combien avec la petite promo là? Ok, ça vous fait un total de 504$. Je vous la rendis à 500$. Super. Voilà, je fais la facture, voilà pour vous. Voilà, c'est payé madame. Pas de soucis, merci. Ah, je vais prendre le pistolet. Ping pour radio, je vais à la salle de sport, terminé. Ok, reçu. Fais le bruit à la bouche. Oh merde, elle m'a fait rire. Encore un peu. Merci. On accrage. Hop, on va faire devant. Voilà. Hop. Oh la vache. Allez pas me trouver la bécane. Ouais. Non, vous inquiétez pas. Voilà. Normalement c'est bon. Voilà monsieur, elle est toute prête. Super. Ben merci madame. Je vais vous la sortir. Allez. Merci madame. Voilà. Y a pas de soucis. Je vous redonne les clés. Voilà. Passez une excellente soirée. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour. Ouais, bof. Et vous? Voilà, vous avez pas l'air en quoi, état, là, monsieur. Ouais, j'ai shooté quelqu'un en contresens avec ma voiture sur l'autoroute. Ah, c'est un bon employé, lui, je l'aime bien, il s'est bien occupé putain, de moi merde. Récemment. Oui, ouais, je sais, beaucoup de gens le complimentent. Passez une bonne nuit, en tout cas. C'est pas le co-gérant de l'entreprise ouais, pour rien. Ici, boss, j'étais au garage en train de repeindre le véhicule. Il y a un des employés qui est venu, un employé typé asiatique. Et bizarrement, il était beaucoup sur son téléphone. Donc je pense qu'ils savent déjà la nouvelle couleur de mon véhicule, blablabla. Bla, 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 bla. Mais c'était le but, hein. Bien reçu. Donc dorénavant, je suis plus en moto noire. D'accord. Je suis en bleu foncé. Ouais, bonjour, monsieur Pignol, vous allez bien? Ouais, bonsoir. Ouais, ça va bien, et vous? Ça va. C'est pour vous dire que j'arrive, là, je suis sur la route. Hop, on va la rapprocher sans faire espace, c'est dommage. Bonjour, monsieur Pignol, vous allez bien? Ouais, bonsoir, vous allez bien? Ouais, allez, venez avec moi. On va à l'intérieur. Je suis... C'est bizarre, vous avez changé d'endroit là. Ouais, vous savez, c'est pas moi qui choisis. Hein. Ah bon? Ouais, tant que patron, c'est pas vous qui choisissez l'endroit où vous travaillez. Exactement. Ah, et le gouvernement, ils ont le bras long, que voulez-vous? Ouais, nous, on a toujours un mobilhome, par contre, ça change pas du tout. Hein. Ah, faites gaffe, là, il y a mon jouet préféré. Ouais, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, mais faites attention en vous asseyant dessus quand même. Ça aussi, c'est le gouvernement qui choisit ça? Ouais. Après, ça va, j'aime bien ce genre de jouet. Ah, c'est des blackers. Ouais. Je vous raconte pas. Asseyez-vous si vous souhaitez, monsieur Pignol. Y'a rien à télé, hein, j'ai pas payé la redevance, c'est la merde. Ouais, pas de problème. Ouais, disons que je venais vous voir, là. Vous vous rappelez, on avait parlé un peu à l'époque de protection, et vous m'aviez appelé un moment pour un problème avec monsieur Jalali. Ouais, bien sûr, ouais. Et vous m'aviez demandé si j'étais armé, etc. Voilà, et je voulais peut-être vous proposer quelque chose, parce que je sais pas si vous êtes un peu armé depuis ce moment-là.
Ouais, on a quelques armes, mais c'est quoi que vous voulez proposer? Dites-moi. Ah, là, si vous voulez, j'ai à disposition un petit fusil d'assaut, vous voyez, type AK-47. Ok. Et avec 5 chargeurs. 5 chargeurs, c'est pas mal ça. Ouais, ouais. Et vous vendez ça combien? On va dire dans les 50 000 $ propre. Ouais, ok. Ah bah, okay. Vous savez, c'est quand même difficile de se procurer ce genre de choses, ouais, surtout les chargeurs, etc. Donc, bon. Je comprends bien. Et je préférerais vous dire, au cas où vous ayez dans l'idée d'acheter par vous-même ce genre d'armes, vous savez, ils proposent des fusils à pompe lourd dans le magasin, entre guillemets. Autant vous dire qu'ils sont pas fiables, ils marchent pas, les munitions sont pas compatibles, donc autant vous dire que ça sert à rien de les prendre. Ah, d'accord, ça c'est intéressant. Ok, je préfère vous le dire. Donc, une AK, 5 chargeurs, c'est ça? Exact. 50 000 en propre? En propre, ouais. Je trouve ça très intéressant. Et pourquoi vous la gardez pas pour vous protéger? Oh, parce que je vous avoue que j'ai des plans qui ont changé là, et il y a moyen que je retourne en Europe un peu. Et autant vous dire que là-bas, le port d'armes, c'est pas trop, leur deal, hein, vous voyez. Donc plutôt que de la jeter dans un fossé, je me dis que ça peut vous servir à vous protéger. Ouais, bien sûr. Ok, c'est très intéressant. Ça serait dommage que vous quitteriez la ville, voyons. Ouais, écoute, il y a des affaires à faire ailleurs. Hein. Ouais, je comprends bien. Après, je me laisse un peu le temps de discuter, mais vous savez, je voulais faire ça comme business à un moment, un peu gérer les armes, mais il semblerait qu'il y ait des concurrents qui sont un peu trop costauds pour que je puisse concurrencer, vous voyez. Ouais, vous pensez à qui? Oh, je sais pas trop, mais en tout cas, je sais que disons que les personnes à qui j'ai proposé des armes m'ont dit qu'ils avaient des fournisseurs qui étaient déjà très intéressants, et je pense que bon, ils sont plus costauds que moi qui suis, on va dire, on est deux ou trois, quoi, grand max. Ouais, bien sûr, vous devriez faire un petit groupe quand même. Ah, je sais bien. Vous devriez tenter bien, mais bon. Avant de partir, parce que après on pourrait s'entraider justement en tant que patron. Dans tous les cas, même si c'est que ça, je pense que ça peut plus vous servir à vous qu'à moi. Pour le moment, j'ai pas vraiment de problème en ville. J'ai déjà un pistolet lourd. Je vous avoue que la dernière fois que je me suis fait choper, ils m'ont sorti tout ce que j'avais sur moi sans avoir eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc, tant qu'à faire, en étant tout seul, je préfère donner ce genre de matériel à quelqu'un d'autre, vous voyez. Parce que si c'est jamais ça se retrouve en de mauvaises mains, bon. Ok, bah écoutez, proposition très intéressante. Je vais en discuter et je reviens vers vous très vite. Ouais, dites-moi ça dès que vous êtes au dispo. Ouais. Ça marche, on fait comme ça. Vous vouliez parler d'autre chose, monsieur Pignol? Peut-être à voir, mais dans l'avenir. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter avec monsieur Jalali. Je lui en avait pas un peu parlé, mais il m'a pas trop donné de nouvelles. Disons que si vous avez tout ce qui est argent sale et tout, vous savez, les bûcherons, ça marche pas trop mal. Donc du coup, je me permets, on va dire, de rendre certains services. Donc, Et vous prenez combien en pourcentage? Alors ça dépend, on va dire que si vous me faites des petites coupures de 5000, ce sera plus dans les 50-55%. Je parle de propre, évidemment. Et si jamais vous me donnez des sommes assez conséquentes, on peut monter dans les 65-70%. Très bien, très bien. Je vais remonter l'information. En tout cas. Ouais, merci. Faites attention à qui vous dites ça, évidemment. Ouais, bah écoutez, je vous le dis à vous. Voilà, j'en avais pas là de Jalali, je pensais qu'il passerait le message, mais j'ai l'impression que j'ai pas trop d'infos. Il est parti, il a quitté la ville aussi un petit peu de temps pour des petites vacances si on avait besoin. Ouais, je comprends bien. Ok, bah faites attention à vous et dorénavant, essayez d'en parler en anonyme. Ouais, vous inquiétez pas. Les gens avec qui je traite ne me connaissent pas. Vous savez, on s'est déjà parlé de ce genre de choses. Donc. Bien sûr. Et surtout, effacez souvent votre téléphone. Ouais, il y a jamais de message dans mon téléphone. Bon, bah faites attention à vous, monsieur Pignol. Ah, tenez-moi au courant, envoyez-moi un message quand vous voulez. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Allez, bonne soirée à vous. Allez, passez une bonne soirée. Et désolé pour le retard. Hein. Bon, il n'y a pas de problème. Je vous tiens au courant très vite en tout cas. Très bien. Au revoir, monsieur Pignol. Au revoir. On va se balader un petit peu en moto. Bonjour, messieurs. Ici Boss. Il y a monsieur Pignol qui est venu me parler. Il peut blanchir de l'argent. Plus on lui ramène des grosses sommes, plus le pourcentage est correct. Et surtout, est-ce que Zéro est là? Bon, on va partir du principe qu'il est là. Il vend une Kalachnikov avec 5 chargeurs. Zéro pour Radio, qu'est-ce qu'il y a? Il vend une Kalachnikov avec 5 chargeurs pour 50 000 euros propre. À toi de voir si ça vaut le coup ou pas. Pour 50 000 en propre. 50 000. Kalachnikov avec 5 chargeurs neufs. Et qui c'est qui propose ça? Monsieur Pignol. Parce que il a acheté. On verra plus tard parce qu'on n'a pas grand-chose en propre. Ouais. Il m'a aussi dit que les fusils à pompe, fallait oublier. Fallait surtout pas acheter parce qu'apparemment il y a des problèmes avec les munitions. Pour le propre, moi ce que je pense, c'est que je peux donner une partie. Après, en fonction de chacun et nos boulots, ça peut être sympa. Hein. C'est quand même une Kalachnikov avec 5 chargeurs. Moi j'ai que 5 000 $, messieurs. Ouais, moi j'ai 15 000 et je me tends un flingue. Moi la raffinerie est un peu dans la merde depuis le départ d'Ossan, hein, avec 30 000 $. Il a été embarqué avec toute la thune sur lui aussi, putain. Bon bah tenez au courant en tout cas, l'info est passée. On a toujours pas d'info sur s'il est mort ou pas en fait.
La seule info qu'on a eue, c'était Merlin. Par moi. À part toi. Donc on sait toujours pas où il est passé, on n'a aucune idée de qui l'a embarqué. Bah, on aura peut-être des nouvelles demain, qui sait. Ou peut-être ce soir, ou j'en sais rien. Mais j'ai pas de nouvelles de lui non plus. Essayez de l'appeler, il décroche pas et tout, donc on verra. Eh bien qui pourra. Ok. Et au sujet de la course, quelqu'un a des nouvelles ou pas, s'il vous plaît? Absolument pas. Bah, je vais essayer de les joindre sur téléphone parce que si personne répond, c'est right. Oui, allô? Ouais, ça va, Aladdin? Ouais, ça va, jouer une de perdre à cause d'un gars qui savait pas qu'on gueule, mais bon, c'est pas grave. Tu as perdu, t'es arrivé combien alors en tout? Troisième tour 4, sur la finale. Ah bah c'est pas mal, t'as gagné, ouais. T'as gagné un petit truc? Non, une coudale, ça me fait chier, mais bon, c'est pas grave. T'as payé combien? $500, mais c'est pas grave, c'est pour acheter, je m'en bats les couilles. Ok, rien de spécial comparé à ce que tu fais? Non, tout le monde s'est barré, tout le monde s'est cassé, il y a plus que les finalistes et tout ça, donc c'est calme, c'est cool, c'est tranquille. Ok, ce soir t'as prévu de faire un petit peu de... Ah ouais, s'il y a du monde, moi, y a pas de problème. Demande sur la radio, il y aura certainement du monde. Ok, ça va. Hop, oh, tu m'as saoulé, tu dégages. Ah, bonjour, monsieur Pignol, vous allez bien? Ah, bah, vous revoilà. Bah ouais, ça va bien, vous? Ouais, vous avez l'air dépité, là. Ouais, ça me casse les couilles, il n'y avait personne dans ce commissariat. Et qu'est-ce qui vous arrive? Ouais, il faut que je voie un truc par rapport à une plainte que j'avais déposée, c'est tout. Ouais. Eh, vous savez quoi? Vous vous souvenez ce que vous m'avez dit par rapport à ce qui vous est arrivé sur un parking? Ouais, exact. Vous devriez, si vous comptez aller en Europe, vous devriez le dire, honnêtement. Hein. Mais à quelqu'un ouais. Par contre. Ouais, vous inquiétez pas, le problème, c'est que par rapport à cette histoire, des gars compétents sont déjà au courant, mais il se passe rien. D'accord. Bon bah tenez-moi au courant en tout cas. Vous voyez un petit blondinet là, qui est ici là, je sais plus s'il est commandant ou lieutenant ou je sais pas quoi. Attends, 06? Non, le commandant. Oh, je sais rien, ouais, le commandant. A priori c'est lui. Si vous croisez un 06, faites attention. Je soupçonne même qu'il s'est rasé les cheveux, c'est bizarre. D'accord, 06? Vous avez pas son nom à non, truc mais son demandez numéro le matricule du flic à qui vous parlez, et dès que c'est 06, fuyez-le comme la peste. Ok, je prends note. Comment dire? C'est ce qu'on appelle en Amérique une salope, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois. Je vois, okay. Voilà. Je ferai attention, vous en faites pas. Bah, y'a quelqu'un ici ou pas alors? Bah, non, mais j'attends un peu là. Et puis dans 5 minutes, s'il y a personne, je me casse. Ok, bon bah faites attention. Y'a 15 000 voitures devant. Ah, mais y'a personne. Mais ouais, c'est incroyable. On a pu croiser Merlin, on a croisé la Russe qui, de toute évidence, donc a changé de couleur de cheveux et s'est refait sa couette. C'est 06 et 27, exactement. Les deux étaient pères, mais le 27, je le vois plus. Allez, on va changer de fringue et on va aller prendre aussi du service. Et ben, ça a l'air bien. Tranquille. Putain, j'avais enfin mémorisé sans ouvrir la carte le chemin pour aller au service taxi. Et là, putain, je dois remémoriser un autre chemin. Et encore, apparemment, on va encore être déplacé. Donc, l'enfer. Ouais, radio ici, boss, je prends du service. Ok. Ouais, ça va ou quoi, moi? Ouais, ça va. Ouais, je prends du service, le coffre il se remplit enfin correctement. Donc ouais. Si tu veux quand même envisager d'augmenter quelqu'un ou lui proposer un petit poste supérieur. Ouais, c'est déjà fait. Ok, super. Est-ce qu'on a besoin de nouveaux employés là? Non. Personne pour l'instant, on est plein? On est plein. Super, bon bah impeccable. Et est-ce qu'on a un asiatique chez nous? Oui. Ok, t'as l'œil sur lui? Ouais, t'es prêt? Ouais, ok, super. Bon allez, je vais en service un petit peu. Ah, Johnson. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Ah, je me déguise pour pas qu'on me reconnaisse. Attends, c'est toi, Mola? Ah ouais? Non, mais tu te fous de ma gueule, mais t'as acheté cette merde combien là? 27 000, mais j'ai vendu ma voiture donc. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, putain? Comment ça, tu veux pas qu'on te reconnaisse? Oh bordel. Bon, vous avez prévu un truc ce soir ou pas? Non. Non? Ok. Même pas de petits ciboulettes? Pas que je sache, non. Ok. Dites-moi, messieurs. Allez. Il aurait pas pété un câble un peu pink? Pourquoi? Bah, regarde l'innocente news. Ok, je pense qu'il s'est fait kidnapper. Il a pas pété un plomb. Ça fait 5 minutes que je lui envoie des messages, il me répond pas. Ah! Ouais, non, c'est pas de lui ça. Nous, les Rambo, on revendique le trafic de Wick. Tous les connards qu'on trouve sur nos champs, on va les fumer. LSPD, vous êtes prévenus. Nous, les gangs des Akuma Noirs, on vous domine tous. Ouais, j'ai pas envie de faire un mec chelou, mais de la façon dont c'est écrit, c'est pas trop bien écrit. On dirait un peu quelqu'un qui vient d'ailleurs. Ouais, tu penses à qui? Bah, je sais pas. Ah, ok. Mais je sais pas. Un autre pays en tout cas. Ouais, c'est comme les... Et tu crois que la LSPD elle va croire ça sérieusement? Non. C'est ridicule. C'est ouais, ridicule. Vous voulez que j'aille voir les flics et que je leur dise que mon patron a disparu? Bah ouais. Ok, j'y vais. Et dis-leur aussi qu'il y a un message bizarre qui a été posté. Hein? Où ouais, ça? Ouais, bah sur l'Innocent News de la part de ton patron. Ouais, et en tout cas, putain, les Rambo, ça doit être un groupe, ça fait flipper quand même. Hein. Ouais, ils doivent être sacrément puissants hein, pour que tout le monde se lie contre eux. Ouais, c'est pour quand même, en plus. Hein. Apparemment, faites attention parce qu'ils veulent la weed. Hein. Ouais, et en plus.
plus c'est des gangs d'Akuma et en plus ils font partie de Rainbow. Ouais, faites gaffe. Heureusement que mon Akuma est pas noir parce que putain j'aurais eu peur hein, sinon. Ouais, moi non plus, elle est pas noire. Heureusement, j'ai pas une Akuma. Ah putain. Bon, faites attention à vous là. Ok, ouais, il s'est fait embarquer. Bizarrement, rien ne m'étonne. Maintenant, donc, c'est un focus sur les Rainbow. Okay. Bon, tant mieux, hein. Au pire, c'est ce qu'on voulait. Hein. Donc clairement, Oasis is good pour le coup. C'est exactement ce qu'on voulait. Ouais, Aladdin. Ouais, allô. Ouais, ça va? C'est très bien, vous? Pense à activer la radio quand même. Oui, oui, là, j'ai juste un rendez-vous avec JPP. Ok. Il va me filer de la toune et après, je suis à vous. Ouais, parce que Jameson a été kidnappé. Ah putain, où ça? Quel secteur? Ouais, c'est pour ça, n'hésitez pas à être actif sur la radio. On sait pas, mais va voir les articles, l'article Innocent News. D'accord, ok, je vais checker ça et je vais péter un œil dans le secteur du Nord. Ok. On se tient au courant. Donc en gros, là, ils se font passer pour les Rainbow à dire qu'ils veulent revendiquer la weed, alors que c'est faux, c'est juste un mensonge, mais t'as le droit. Tout comme nous, on a le droit de dire que les Russes veulent revendiquer ci ou ça, tu vois. De la manipulation médiatique, il n'y a rien d'anormal en fait en soi, tu vois. C'est juste que c'est. Enfin, genre, Alfou va supprimer son message dès qu'il est plus kidnappé. Donc, au pire, il va porter plainte. Enfin, là, le projet. J'ai White Radio. Le projet, je ne le vois même pas. Hein. Parle. Je viens de voir les trucs Innocent News là, c'est quoi ce délire? Ah, on suppose qu'il a été kidnappé. Mais les gars, c'est rien. Hein. C'est dès qu'il est là, il aura juste à supprimer le message, on n'en parle plus. Hein. Et en soi, justement, enfin, c'est ridicule parce qu'il a juste allé voir les flics en disant qu'on lui a forcé à mettre ça et puis basta, hein. Aucun problème. D'accord. Après, tant mieux, c'est ce qu'on voulait, hein, attirer l'attention sur ce groupe-là. Hein. Ouais, d'accord. Ça a fonctionné, ils tombent tous dans le panneau, donc j'ai juste hâte de savoir qui l'a embarqué, c'est tout. Ok, moi je suis secteur nord et je tourne. White, dis-moi, tu l'as pas vu se faire embarquer à la course ou t'as pas été embarqué toi aussi à la course? Non, on a tout le monde s'est barré au Fumel et Amzour et moi j'étais pendant la course, moi j'étais focus sur ce qui se passait sur la course, j'ai pas vu ce qui se passait autour quoi. C'était où la course exactement? À l'aéroport des Sandy. Ouais, je suis devant là. Il y a un bus de fête, là, un hélicoptère chelou et encore des voitures. Ouais, ils sont dans la voiture d'Achelet. Et il y a la camionnette de Jameson. Ah, ça doit être celle de son collègue. Son collègue, il doit être encore sur place. De Silver, je viens de croiser un gentil japonais au nord de la ville, enfin, comment ça s'appelle, à Paléto, en train de vendre des journaux. Quand il est venu me parler... Ouais, quand il est arrivé à côté de moi, parce que j'étais à côté de son véhicule à attendre avec ma moto, il est venu me parler. Ouais. Je lui ai dit bonjour, il a sorti son téléphone et il est bien resté au moins 10 minutes au téléphone avant de partir. Ouais, j'ai eu pareil chez le mécano. Quelqu'un qui était au téléphone. Les deux ils s'y mettent. Hein. Putain, mais je fais que traîner en ville et personne veut m'embarquer, bordel. Moi, je raccroche. Les flics m'ont dit que c'était des grosses conneries et que... Qu'est-ce qui a été écrit complètement con et que ça passait, que ça existait pas en plus qu'ils disaient. Ah. En gros, ils disent que les champs de weed, c'est pas les spinnies qui s'en occupent, donc ils en ont rien à branler. C'est des gros connards ceux qui ont écrit à la place d'eux. Et donc okay. Déjà c'est des molosses. Et vous connaissez un groupe de débiles? Moi j'en connais un. Ouais. Moi j'aurais dit que j'en connaissais 3 ou 4. Hein. Ouais, oui, non, mais le seul groupe bien débile qu'on a chopé, ouais, j'en connais qu'un. Ah bah c'est leur signature. Attention, Jameson, me le dire.